prend le contrôle de toutes choses. Tu sondes mon cœur, tu connais mes pensées avant que je ne parle. Tu sais mes intentions, tu sais combien je t'aime. Et j'aspire à ta volonté, mais je me sens si faible, incapable de te suivre par moi-même. Je crie, j'ai soif de toi, mes yeux fixés sur toi, oui papa mon Dieu. J'aspire à ta présence, je veux vivre par toi. Ta présence me suffit pour combler mes attentes. Mon Dieu, être à ton image. On va reprendre ensemble ce cantique. En ce jour, nous venons nous exposer devant le trône de Dieu, tel que nous sommes, avec ce Seigneur qui nous connaît, qui sonde nos cœurs, qui connaît nos défis. Tu es là ce midi connecté avec moi, ce midi en Côte d'Ivoire, je veux dire, connecté avec moi. Prends un moment, cesse les activités que tu fais et fixe les yeux sur ton Dieu. Ouvre-lui les yeux de ton cœur, ouvre-lui ton cœur. Dieu te connaît, il nous connaît tous. Par son esprit, il sonde nos cœurs et nos reins. Rien les cacher au Seigneur. Seigneur, tu me connais, tu sondes mon cœur, tu connais mes pensées avant que je ne parle. Tu sais mes intentions, tu sais combien je t'aime. Et j'aspire à ta volonté, mais je me sens si faible, incapable de te suivre par moi-même. Les mains levées vers toi, je crie, j'ai soif de toi, les yeux fixés sur toi, oui papa mon Dieu. J'aspire à ta présence, je veux vivre par toi. Seigneur, mon Dieu, ta présence me suffit pour combler mes attentes. Mon Dieu, être à ton image. Prosterne devant toi, oh, 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 je veux demeurer dans ta présence. Tu es tout pour moi, oh mon Dieu. Sans toi, ma vie n'est rien. Le souffle de vie, me vient de toi. Toutes choses en moi me viennent de toi. J'en suis conscient et je lève les yeux toujours vers toi pour vivre par toi, Seigneur. Tu connais, tu sondes mon cœur, tu connais mes pensées, tu sais j'ai soif de toi, oh oh oh, de ta vie qui agit en moi. Thank you.
ma vie, ma lumière. C'est toi mon Dieu, c'est toi mon sauveur. Elle prend tout son sens. Oh oh oh, par ton amour qui agit en moi. Seigneur mon Dieu, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tout pour moi, tout pour moi, tout pour moi, Jésus, tu es tout pour moi, Seigneur, tu es tout pour moi, mon Dieu est tout pour moi, Seigneur, tu es tout pour moi, mon roi est tout pour moi, quelqu'un dit tout. Nos yeux sont sur toi en ce jour, tu as tout pour nous. Viens prendre le contrôle, viens briser les chaînes, viens libérer les captifs. Oh Jésus, oh mon Dieu, oh Jésus, oh mon Dieu, oh Jésus, oh mon Dieu, oh Jésus-Christ, oh mon Sauveur. Jésus, Jésus. Ma vie n'a de sens qu'avec toi, Seigneur. Ma vie n'a de sens qu'en toi. Mon cœur n'a de sens qu'en toi. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens conduire toutes choses. Mon Dieu, tu es présent. Dirige toutes choses. Mieux que quiconque, Seigneur, tu nous connais. Mieux que quiconque, tu nous sens. Aujourd'hui, nous voulons te présenter encore des cas pratiques, des situations, des vécus de tes enfants. Saint-Esprit, toi qui sens toutes choses, toi qui au-delà des mots qu'ils ont écrits, connais leurs défis, les difficultés, et toi qui sais le nombre de personnes qui vivent des situations similaires, glorifie ton nom. Que par chacune des paroles que tu vas nous donner, les chaînes soient brisées. Des situations soient transformées, des vies soient changées, simplement parce que tu es là, simplement parce que tu es présent, simplement parce que tu es puissant. Prends le contrôle en ce moment, Saint-Esprit. Prends le contrôle de toutes choses. Amène-nous dans cette atmosphère prophétique. Entraîne-nous dans cette atmosphère de ta présence. Entraîne-nous dans cette atmosphère de ta gloire. Entraîne-nous dans cette atmosphère, Seigneur Dieu, pour ta présence. Brinda baba shere bara la sota rababrus. Prae de glorianda brada soro bara la kendere de brais. Rai de glorianda brada sharababababa sedere de brus. Brenda brada soro bara la kandarababrus. Brenda brada soro bara la kantarabababa she. Rai de glorianda brada. Rai de glorianda gara la sondarababrada sotari babrabrai de soto. Brenda brada sarabara la kondarababrus. Kenda wina bai de shinde mama mama. Oh. Thank you.
l'ami qui sonde mon cœur mieux que quiconque. Sonde mon cœur et mon âme. Tu es le Dieu qui me connaît mieux que quiconque. Seigneur, à tes pieds, Seigneur, je viens pour entendre ta voix. Je viens pour écouter ta parole. Je viens pour recevoir de toi. Je viens pour recevoir de toi. Je viens, Jésus, pour entendre ta voix. Je viens. À mon âme, tu es mon Dieu et mon sauveur. Ô Jésus, à tes pieds, Seigneur, je viens pour recevoir de toi. Je viens pour recevoir ta parole. Je viens, Seigneur, je viens, mon Dieu, je viens. Je viens, Seigneur, je viens, prosterné devant toi. Je viens, à genoux devant toi. Je viens, pour recevoir de toi. Je viens, être conduit par toi. Je viens, dirigé par toi. Je viens, pour grandir avec toi. Je viens. Je viens, Seigneur, je viens. Oh, 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 para papa. Pour entendre ta voix, je viens. Pour recevoir de toi, je viens. Seigneur, à genoux devant toi, je viens être transformé par toi. Je viens, oui, je viens, Seigneur, je viens dans ta présence. Je viens, ô Esprit de Dieu, je viens, mon Dieu, je viens. Tu es celui dont j'ai le plus besoin. Mes yeux, Seigneur, sont fixés seulement sur toi. En ce moment, c'est de toi seul dont j'ai besoin. C'est pourquoi, Seigneur, mon Dieu, je viens. À tes pieds, Seigneur, je viens me présenter devant toi. Je viens tel que je suis, Seigneur, je viens sans rien cacher, mon Dieu, je viens. Seigneur, oui, guéris-moi, je viens. Mon Dieu, conduis-moi, je viens. En ta présence, je viens. Oh, 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 ta la papa. Oh, oh, tu es le Dieu qui guide mes pas, mon Dieu. Tu es le Dieu
qui sait comment nous sauver. Tu es le seul qui sait comment m'éclairer. Seigneur Jésus, nous venons devant toi ce jour. Entends notre prière. Viens nous secourir par ta présence, par ta parole et par ta puissance. Seigneur, telle est ma prière en ce jour. Prends le contrôle de toutes choses. Moi, je me suis trempé dans le sang de l'agneau. Alors c'est Jésus qui règne. C'est toi qui règne. Il faut le déclarer. C'est toi qui règne. C'est toi qui règne. Jésus, tu règnes. C'est toi qui règne. C'est toi qui règne. Mon Dieu, tu règnes. C'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes. Seigneur, c'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes. Tout pouvoir t'a été donné. C'est toi qui règnes. Dans les cieux et sur la terre. C'est toi qui règnes. Oh Jésus, tu règnes. C'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes. C'est toi qui règne, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, les mémoires sataniques soient effacées, les mémoires sataniques soient effacées, par le sang de Jésus, c'est toi qui règne, qui a coulé de la tête percée de Jésus, c'est toi qui règne, la mémoire, le sang de Jésus. C'est toi qui règne. Lorsque Jésus a reçu les épines sur la tête, c'est toi qui règne. La mémoire, c'est toi qui règne. A pour base le cerveau. Quand on a mis la couronne sur la tête de Jésus, le sang qui a coulé de la tête de Jésus est venu pour restaurer la mémoire. Je me dresse contre la mémoire de condamnation. Dans le nom de Jésus, contre les mémoires d'esclavage, les mémoires d'alcoolisme, les mémoires de drogue, les mémoires de dépression, les mémoires d'angoisse, au nom de Jésus, pendant que nous élevons le nom de Jésus, mémoire satanique, tu pars. Mémoire diabolique, tu pars. Système de pensée humaine, tu pars. C'est toi qui règne. Je dis c'est Jésus qui règne. Mémoire satanique, tu pars dans le nom de Jésus. Les œuvres des ténèbres sont brisées. Maintenant, maintenant, tu es libéré. Les forteresses sont renversées. Les forteresses sont renversées. Les forteresses sont renversées. C'est toi qui règne. Les mémoires sataniques sont chassées. C'est toi qui règne. Et tous les démons qui se retrouvent dans cette atmosphère, maintenant s'en vont. Maintenant, 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 maintenant. Quel que soit l'endroit où tu es. Certains vont commencer à sentir comme des douleurs dans la tête. Les esprits qui attaquent la mémoire. Ces gens de démons là, chaque fois que tu es au bord d'une victoire, chaque fois que tu es au bord d'une victoire, ils viennent te rappeler certaines choses. Je pense que c'est ce type de mémoire, c'est ce type d'esprit impur, c'est ce type de peur, de raisonnement qui est venu affecter l'apôtre Pierre pendant qu'il était en train de marcher sur les eaux. Pendant qu'il regardait ses espérances, la peur est montée. Pourquoi? Elle est basée sur ses expériences, sur le nombre de personnes que nous savons qui sont mortes sur les eaux. Nous savons, le sang a retenu la mémoire, que l'eau peut être mortelle pour l'être humain. Le sang avait dans la mémoire que l'homme ne peut pas marcher sur les eaux. C'était enfoui dans la mémoire de tout être humain, que l'eau est mortelle si l'homme se noie. Alors, malgré la parole de Christ qui a dit « Viens », la peur a envahi le cœur de Pierre. Son sang a ressorti une information. Pierre, Pierre, c'est pas normal, c'est pas humain que tu te retrouves à marcher sur les eaux. Pierre, tu dois avoir peur. Tout ça s'est passé dans son subconscient et ça a entraîné
le fait qu'il s'enfonce dans les eaux. Mais maintenant, dans le nom de Jésus, le sang de Jésus est en train de flot par la puissance du Saint-Esprit. Et les esprits de peur, les esprits de timidité, les esprits de timidité sont des esprits qui affectent, qui te rappellent qu'il ne faut pas parler, qu'il ne faut pas avoir de l'audace. Dans le nom de Jésus, garde les mains levées. Quel que soit l'endroit où tu te tiens, quel que soit l'endroit où tu es dans le monde, maintenant, l'Esprit du Seigneur est en train de te délivrer. La forteresse de la mémoire est brisée. La forteresse de la mémoire est brisée. Elle renferme les démons de peur. Elle renferme les démons de timidité. Elle renferme les démons qui t'amènent à refaire les erreurs de tes parents. Elle renferme les esprits qui t'amènent à refaire les manquements, à poser les mêmes actes que tes parents ont posés. Dans le nom de Jésus, je te chasse du corps. Esprit de dépression, parce que la mère était dépressive, les filles veulent être dépressives. Je m'adresse à une famille, je vois une famille qui est en train de me suivre du côté de la Guadeloupe, du côté des Antilles. Et je vois la mère qui suit, je vois des filles qui suivent. Je sais qu'il y a un garçon dans votre famille, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas là avec vous en train de suivre. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette mémoire dépressive, d'angoisse, de peur, d'inquiétude du lendemain est en train de partir dans le nom de Jésus. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit m'amène du côté des Antilles en ce moment. Le Saint-Esprit m'amène du côté des Antilles. Et vous voyez, il y a dans le sang de nos frères et sœurs de ce côté la mémoire. Même si les chaînes de l'esclavage ont été brisées, il y a cette mémoire là, il y a cette mémoire. Cette mémoire qui dit que les femmes devaient éduquer, élever seules leurs enfants et que les parents devaient partir. Car dans l'esclavage, dans le temps passé, il était pratiquement impossible de bâtir des foyers, de bâtir des couples, de bâtir des couples. Les hommes esclaves, nos aïeux esclaves, étaient utilisés comme simplement des mâles pour féconder. Ils allaient de femme en femme pour leur donner des enfants qui eux-mêmes naissaient dans l'esclavage. Certes, l'esclavage a été aboli depuis des années, des centaines d'années. L'esclavage a été aboli, mais le sang a été tellement, l'âme a été tellement marquée que plusieurs jusqu'à ce jour, encore dans leur sang, cette attitude. Et monsieur, à un moment donné, abandonne femme et enfant. On ne sait pas pourquoi. Madame aussi a dans son sang un comportement qui l'amène à rejeter les hommes, à être lunatique, à chercher à aller vers un homme parce que son sang ne peut pas établir des relations durables à cause de ce qui a marqué le passé. Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir du côté de toutes les personnes qui viennent des îles. Dans le nom de Jésus-Christ, pendant que ma main est tendue, la main de Dieu arrive. Et dans tes veines, ce n'est pas le sang de tes aïeuls qui coule. Il y a le sang de Christ qui crie plus fort que la mémoire de l'esclavage, que la mémoire de la dépression, que la mémoire de l'abandon familial. Au nom de Jésus, que la mémoire de la perversion sexuelle, au nom de Jésus, cette mémoire-là est effacée. Elle est effacée par le sang de Jésus. Elle est purifiée par le sang de Jésus. Et tous les démons qui s'étaient abrités derrière cette forteresse sont expulsés. Je vous ordonne tous, dans le nom de Jésus, allez-vous-en. Démons de dépression, esprit lunatique, esprit de changement d'humeur, esprit de changement de cœur, je te condamne dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de détachement total, esprit qui fait que tu ne peux pas rester fidèle, esprit d'infidélité, je te condamne et je t'ordonne au nom de Jésus de libérer la vie de ces hommes et de ces femmes qui sont en train de suivre en ce moment même. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Élève la voix et prie. Je m'adresse donc, chasse maintenant avec moi les esprits de peur. Au nom de Jésus,
au nom de Jésus, les maladies, tout sang qui a retenu des mémoires de maladies. Les mémoires de maladies sont en train de partir. Ce sont des forteresses. Il y a la mémoire des diabètes. Il y a la mémoire de l'hypertension. Maman a connu le diabète. Papa a connu le diabète. Maman a connu l'hypertension. Papa a connu l'hypertension. Tu es venu en Jésus, mais tu commences à constater ces choses. Jésus t'a déjà affranchi. Un, il faut croire en lui. Et c'est ce qu'il te dit. Quand tu l'auras élevé, c'est-à-dire, malgré la hauteur de cette peur, malgré que tu sens que ton sang a comme une attaque de diabète, que tu sens l'hypertension, c'est-à-dire une maladie qui est en train de se répercuter sur toi, qui a frappé tes parents. Peu importe ce que tu vois, mais il faut que tu élèves Jésus devant ça. Amen. Il dit, lorsque je serai élevé, regarde ce qu'il dit aussi, dans un autre passage, il dit, quand je serai élevé, j'attirerai les hommes à moi. Alléluia. Quand je serai élevé, amen. Là, on est dans Jean chapitre 4. Quand je serai élevé, j'attirerai. Donc, si tu veux que Jésus t'attire dans sa dimension, il faut l'élever. Donc, tu le propulses plus haut. Jésus est déjà grand, en fait, tu vois. Ce n'est pas toi et moi qui lui avons donné le pouvoir. C'est le Père qui a élevé son nom au-dessus de tout nom. Donc, ce n'est pas nous qui allons positionner Jésus au-dessus de tout nom. C'est ce que simplement nous allons réaliser. En l'élevant par l'adoration, par la louange, nous réalisons, nous avons la révélation de sa grandeur. Et quand il sera élevé, il va nous attirer avec lui, il va nous attirer dans sa dimension. Alléluia. Oh. Nous voulons élever l'œuvre de Jésus. Nous voulons élever l'œuvre de la croix. Par son sang qui a coulé à la croix, Jésus a payé pour toi et pour moi. Jésus est mort à ma place, il est mort à ta place. Il a tout payé. Notre Christ, tu as tout payé. Alors il n'y a plus de raison. Peu importe ce que je ressens, peu importe ce que je vis, ce n'est pas la vérité, c'est un mensonge. Mon sang, la montre a été enlevée. Tu ne dois plus porter les marques, car Jésus m'a affranchi. Alléluia, élevé, 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 glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevons-le, élevé. Élevé, glorifié, tu es ressuscité.
Merci Saint-Esprit pour ta présence. Oh my mama, maintenant, les chaînes sont brisées, les portes restent. Les démons s'en vont. Tu n'as plus aucun droit, aucun pouvoir dans la vie. Sur la mémoire, l'esprit de peur, l'esprit de haine, les démons de tout genre, les maladies diverses, les forteresses, l'impudicité, l'assumation, les forteresses, dans le nom de Jésus, vous êtes renversés. Laissez le Christ, il fait son passage. Il s'installe parce qu'il règne. Il s'installe parce qu'il règne, parce qu'il est roi et que rien ne résiste à sa volonté. Dans la vie de mon frère, de ma soeur, de tout un chacun présent ici et connecté par tout le monde, dans le nom de Jésus, la délivrance de Christ prend place. La libération de Jésus prend place. L'installation de Dieu prend place. Dans le nom de Jésus. Raïde soro mara la gloria na mama chere mara la so. Rode braïde soro mara la gloria na mama chere. Raïde soro mara la gloria na mama chere mara la. Rode braïde soro mara la gloria na mama chere. Chere braïde soro mara la gloria na bra. Rede braïde soro mara la gloria na baba. Raïde soro mara la gloria na mama chere de bros. Laïde kondo robobo satana mabes. Au nom de Jésus. Saint-Esprit.
De Dieu lui-même. Le Seigneur lui avait dit qu'il donnerait à un de ses anges de les accompagner jusqu'à leur destination. Et Moïse a dit, le plus important, c'est pas la destination, mais c'est ta présence. Ta présence, Seigneur, notre véritable destination. Marcher avec toi, c'est ça notre destin. Oh.
Je ne veux rien sans toi. Je ne veux rien sans toi. Rien sans toi, mon Dieu. Je ne veux rien sans toi. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Sans toi, je ne veux pas avancer sans toi, je ne veux pas d'argent sans toi, je ne veux pas la gloire de ce monde sans toi, je ne veux pas les richesses sans toi, Jésus. Rien sans toi, rien sans toi, rien sans toi. Pas un pas 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 sans toi. Mon Dieu, pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Oui, je ne veux rien sans toi. Je ne veux rien sans toi. Je ne veux rien sans toi. Seigneur, je ne veux rien sans toi. Je ne veux rien sans toi. Seigneur, pas d'argent sans toi. Je ne veux rien sans toi. Seigneur, pas de mariage sans toi. Go.
Jésus. Gloire à Dieu. Ah, c'est difficile, Saint-Esprit, d'arrêter de quitter une si belle et merveilleuse présence divine. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Waouh. Dès qu'on a été plongé, je n'ai pas pu sortir pour vous saluer, pour dire à tous bonjour. Alléluia. Amen. J'ai vu l'Esprit du Seigneur faire de grandes choses pendant que nous étions en train d'adorer. Je voyais comme des vagues en train d'aller, briser des chaînes, libérer les captifs. Beaucoup de malades ont été guéris, beaucoup de vies ont été changées.
Vous savez, la révélation de Christ, quand elle arrive, elle n'agite pas. Elle est simple. C'est comme une vérité qui s'impose dans ton cœur, qui s'installe en toi. Et simplement, tu vas constater que les effets sur ta vie, tu vas constater les effets sur ta vie. Il y a comme quelque chose, une mémoire sale qui a été effacée. Une mémoire corrompue. Quelque chose d'impur a été traité. Alléluia. Alléluia. Et l'Esprit du Seigneur est à l'œuvre. Même pendant que je suis en train de parler, je vois quelqu'un en train d'être délivré. Comme de l'hémorroïde. Je vois une femme qui est en train de recevoir la capacité d'enfanter. Et de nombreux miracles qui prennent place. Ah, je vois comme un bébé qu'une maman tient, qui depuis sa naissance ne voyait pas. Et Jésus est en train de lui accorder la vue. Ouais. Je vois ça. Amen. Alléluia.